autre chose, je vais vous dire. Vous voyez Facebook. On a Facebook. Je vais vous dire quelque chose. Itawambia. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis. Il y a une étude. Kuna utafiti ambao ilifanyika huko. Vous savez le Facebook? Najua Facebook. Ça a été créé. Ginzi ilifanyikwa. C'est pour étudier le comportement des gens. Ni kwa ajili ya kujifunza tabia za watu. Les gens ne savent pas ça. Watu hawajuaka ile. Maintenant, les psychologues. Watu psychologia. Ils disent ceci. Wanasema hivi. Quand quelqu'un a un problème dans le foyer, wakati mtu kuna shida katika unyumba wake, va sur son Facebook. Anaendaka ku Facebook ya. Non, va sur son Facebook. Wende fungula Facebook. Tu vas voir, ça devient un homme philosophe. Utaona atakuwa mtu wa kuwaza sana. Il écrit des phrases et des proverbes. Anaanza andika misemo na misemo na mamezani. Oh, la vie ce n'est pas facile, mais un jour on va s'en sortir. Hey. Oh, maisha haikuwake ya urahisi, mais siku moja tutaishinda tu. Celui-là là. Ule mtu ule. Il a un problème chez lui. Wende muone shida mubunyuma. Quand tu vois, c'est une fille. Kama ni binti. Il manque un mari. Anapokosa mchumba. Va sur son Facebook. Wende ku Facebook ya. Chaque jour. Kila siku. Il doit mettre des photos avec des nouveaux habits. Anapasha kuposter ma photo na manguo za mupya. Elle prend un verre. Anakamata verre. Photo. Kila uli ale anamkamata picha. Il est devant l'auto du pasteur. Photo. Anasimama mbele ya gari ya mchungaji. Photo. Elle est à la recherche. Iko na tafutisha ule. Moi je suis curieux. Mimi mara minakuwa mwangalifu. Je vais sur le Facebook déjà. Ninaenda kwa Facebook za watu. Je regarde ce qu'ils font. Na minaangalia kabisa barafanya kama. Et je comprends. Na hapo ninaelewa. Beaucoup ont des problèmes ici. Wengi wana mashida hapa. Il peut terminer $2 par jour pourvu que il a des data, des postes. Anaweza fanya hata dola 2 na maliza dola 2 kwa usiku. Ya muhimu tu apate vya kutia ku Facebook. Il est au restaurant, photo. Anaenda ku restaurant, photo. Il est allé visiter telle sœur, photo. Anaenda kutembelea dada fulani, photo. Il a acheté un nouveau habit le dimanche, photo. Alivaa nguo ya mpya dimanche, picha. Il sort de l'église avec des sœurs, photo. Anapotoka kanisani na wadada, picha. Est-ce que vous savez? Je munajua. C'est interdit par la loi. Inakatazwa na sheria. De prendre une photo, kamata picha, tu avec quelqu'un sans demander sa permission. Unakamata picha na mtu bila kumuomba ruhusa. C'est interdit. Inakatazwa kabisa. Donc tu vois les gens, sasa uko unaona watu, ils manquent de comportement. Wanakosa msimamo. Rebecca qui n'a pas de caractère. Wale njoo wakina Rebecca wasiokuwa na msimamo, wasiokuwa na tabia. Et nous on regarde l'église. Sasa sisi tunaonaka tu kanisa. On dit oh, les jeunes ont un problème. Tunasema vijana wanazo tatizo kabisa. Ils pensent au wanawaza. Mettre des photos avec des phrases d'amour, c'est ça garder le foyer. Wanawaza tu kamata mapicha na kuandika misemwa ya mapenzi njo kuchunga unyumba hapa. No. Hapana, hapana, hapana. Le foyer, unyumba, c'est le travail concret. Ni kazi ambayo unaunda. Est-ce que vous me suivez? Amen. Le mari revient. Bwana nakuja. La nourriture est prête. Chakula tayari. La maison est torchonnée, c'est propre. Nyumba safi kabisa. Les enfants sont bien gardés. Watoto wanachungwa vizuri. Là tu es en train de garder ton foyer. Na pale uko nachunga unyumba wako. Même si tu mets des phrases, oh l'amour ne se finira jamais comme l'eau dans une rivière. Hata sasa unaandika, oh upendo haitaishaka ni sawa tu mutoni. Et puis la maison est sale. Kisha fika kwako sasa. Tu es en train de démolir ton foyer.
Tu es en train de démolir ton foyer. Le secret de la victoire, Branham l'a déjà dit. Siri ya ushindaji, Branham waisha wahi kuisema. C'est le concret. Ni vitu rentrer vitu à l'ancienne mode. Laissez les nouvelles choses. Kumutindo wa kale. Acha vitu vipya vipya. Un homme. Mwanaume. Qui au Facebook. Amba anakuwa kwenye Facebook. Et il a beaucoup d'amis de femmes. Na anao warafiki wengi wanawake. Celui-là, Mutu. C'est un prostitué. Ni kahaba muzimu. Frère, toi, tous tes amis, ce n'est que des femmes. Ndugu, marafiki yako wote wanakuwa wanawake tu. L'esprit, roho, nous conduit. On connaît les gens. Si, si, tunajua kwa watu. Une sœur, tu le vois, il est sur Facebook. Il ne fait que demander des amitiés aux frères. Qu'est-ce qui se passe? Ou dada mwiko, kila wakati kwa Facebook, kwa na invité tu, ni ba frère, njua na invitaka, na ba lancer ma invitation. Hein? Une fois j'ai appelé une sœur, j'ai dit sœur, c'est quoi? Tu es en train de faire un recrutement. Si kumoja, yeye mchungaji, akaita dada moja akamuuliza. Sasa dada, wewe uko na orozesha watu. Tu vois? En une journée, 50 demandes d'amitié. Unaangalia mtu uko na warafiki 50 kwa siku Facebook. C'est un problème. Ni tatizo kabisa. Mais Dieu a dit. Lakini Mungu alisema. Abraham. Dis à Eliezer. Ambia Eliezer. Cherche une femme avec un caractère. Atafute mke aliye na tabia.